Si tu la portes pas. Non, je ne la porte pas. Mais c'est ta bague de fiançailles. Mais lâche-moi, je te dis que je la porte pas. Dimanche prochain, tu te maries. Quoi? Dimanche, tu te maries avec Carmelo. Et alors, t'as intérêt à porter cette bague. Ah non, 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 ça va pas, je l'enlève tout de suite. Si tu l'enlèves, je te casse la figure. Écoute, Daniela, c'est pour ton bien. Carmelo veut faire les choses bien. Il veut t'emmener devant Monsieur Maire. Se marier avec toi comme il se doit, Daniela. Mais tu peux dire ce que tu voudras, moi je ne veux pas. Même si tu me traînes jusqu'à la mairie, jamais, tu m'entends jamais, je ne me marierai avec ce vieux dégoûtant. Tu vas te marier. Je te dis que tu vas te marier. Mais non, je ne me marierai pas. Et je vais tout de suite aller le dire au vieux dégoûtant, tu m'entends? Et en même temps, je vais lui rendre sa stupide bague. Tu vas voir, espèce de petite peste. Louis, tu as de la visite. J'arrive. Qu'est-ce que tu caches là-dessous? C'est rien. Mais arrête un peu. Donne-le-moi, ce n'est pas à toi. C'est quand même incroyable maintenant. Tu te mets même à voler en prison? Je vous ai dit que ce n'était pas moi. Non, ce n'est pas la peine de me mentir. À mon âge, on ne me trompe plus comme ça. Donne-moi ce que tu caches là-dessous. Mais bon, je vous dis que je n'ai rien volé du tout. Ce qu'il y a, c'est que cette photo m'a attiré l'attention parce que je connais cette femme. C'est impossible. Cette femme est morte. Il y a 20 ans. Comment ça, il y a 20 ans? Mais n'importe quoi, je l'ai vu l'autre jour. Je vous le jure sur la tête de ma mère et je ne sais pas si c'est pas vrai. Hein. Tu dois la confondre avec quelqu'un d'autre. Ça m'étonnerait que je me trompe, parce que je peux vous dire que j'ai une très bonne mémoire. Non, cette fille, je la connais vraiment bien, oui. Et cette fille, c'est un canon, elle est bien vivante, je vous dis. Elle s'appelle Daniela. Daniela? Oui, dans le quartier, on l'appelle le petit diable. Qu'est-ce que tu fais là? Enlève tes pieds. Allez. Salut, comment vas-tu? Enlève tes pieds. Oui, ça va. Ne me dis pas que tu as décidé de travailler. Jamais, mon frère, jamais. Je me disais bien. Je suis venu au bureau parce que je voulais parler avec papa. J'avais besoin d'argent. Ah, et comme tu n'as pas pu le voir, tu viens me demander à moi. Oh non, si, j'ai pu le voir et il m'en a donné. Mais je suis désolé que tu aies découvert que Daniela était danseuse de cabaret. Elle n'est pas danseuse de cabaret. Ah non? Comment non, tu sais? Je le sais, c'est tout. Mais alors dis-moi, et qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Qu'est-ce que tu faisais toi là-bas plutôt? Moi? Oui. Moi, j'étais sorti avec mes amis, Santiago. Ce n'est pas le genre de club que tu fréquentes habituellement. Et pourquoi tu m'as appelé? Mais qu'est-ce que tu crois? Mais parce que j'ai vu ta copine, habillée comme une... Ça suffit, Tony. Bon, très bien, très bien. Mais je suis content que vous ayez pu éclaircir les choses, toi et ta copine. Bon, je vais y aller, moi. Je venais juste chercher un peu de cash. Au revoir. Au fait, Tony, je n'ai vu aucune de tes amies dans ce club. Avec qui tu étais? Ne me demande pas, s'il te plaît, Teresa. Je t'ai très bien vu sortir d'ici avec Monsieur Tony. Et alors, on ne fait rien de mal, tu sais. Tu lui plais? Et lui, Rosa, il me plaît. Oui, sauf que lui, c'est le fils de nos patrons. Si Madame Rebecca l'apprend... Elle va te ficher à la rue, séance tenante, Teresa. Ah, mais bon, il n'y a pas de raison qu'elle apprenne.
Mais c'était tout juste, non? Quand elle est venue te demander hier soir où était sa robe de chambre rose, à ce moment-là, Monsieur Tony n'était pas dans ta chambre? Mais dis-moi, tu aimes vraiment les petits potins, ce que je vois, Rosa, hein? Je veux juste te dire, Teresa, de faire attention. Ah, mais bon, ça l'apprend, et alors? Moi, je suis quand même plus décente que la petite souillon avec qui sort Monsieur Santiago. Et il a déjà dit au patron qu'il voulait se marier avec elle. J'espère bien que moi aussi, j'aurai cette chance. Mais bon, Tony, ce n'est pas la même chose que Santiago. Parce que lui, il est en train de profiter de toi. Oh, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe, cette espèce de vieux dégoûtant. Il va m'entendre, ça c'est moi qui te le dis, Tia, il va m'entendre. Je t'interdis de faire ça, Daniela. Je t'interdis, je lui avais promis. Carmelo, où est-ce que tu es? Ne fais pas ça, je lui avais promis, Daniela. Il est où, cette espèce de vieux dégoûtant? Calme-toi, non, je ne me calme pas. Carmelo, sors. Calme-toi un peu, sale gamine. Mais lâche-moi. Je lui ai donné ma parole. Carmelo. Mais qu'est-ce qui se passe, ma petite fille? Est-ce que tu t'es enfin décidée? À quoi je me suis décidée, hein? À accepter tes inventions de vieux cochon? Mais tu croyais vraiment que tu pouvais m'acheter avec ton fric, hein? Eh bien, regarde, regarde ce que j'en fais de ton argent. La voilà, ta bague. Fous-toi là dans le nez ou tu portes-la au bout d'une chaîne. Mais tu es folle! Qu'est-ce que tu fais? Pauvre petite idiote! Mais c'est une faveur de ma part! Ta faveur? Eh bien, tu peux te la mettre où je pense et laisse-moi tranquille! Mais réfléchis un peu! Réfléchis! Mais ça suffit, hein! Elle ne commence plus jamais à lever la main sur moi, tu m'entends? Plus jamais! Et tu ne vas plus jamais m'exploiter de toute ma vie, tu m'entends? Tu ne m'échapperas pas, Daniela! Je vais t'attendre. Je peux avoir toute la patience du monde. Mais quand je t'aurai... Je vais la tuer, cette sale gamine. Elle ose te rejeter, toi. Je te jure, je vais la tuer. Sale petite gamine. Sale petite gamine. Maudit soit le jour où tu es apparu dans le pays de mon fils. Maudit soit le jour où ta mère est apparue dans la mienne. Je maudis ce jour-là. Qui est-ce? Bonjour papa. Bonjour Santiago, je suis occupé, qu'est-ce que tu veux? Tu te sens pas bien? J'ai beaucoup de travail, mais qu'est-ce que tu veux, dis-moi. Papa. Quoi? Daniela est ma petite amie. Quoi? Mais tu m'avais dit que... Oui, mais j'avais tort papa. On a éclairci les choses, on s'est réconciliés. Je l'aime vraiment papa. Tu ne peux pas me faire ça Santiago. Tu ne peux pas me faire ça. Mais comment ça, je ne peux pas être avec Santiago, c'est lui-même et moi, je l'adore. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être ensemble? On a même écrit nos deux noms sur un trou dans le parc. Écris vos noms, mais si toi, tu ne sais même pas écrire. Ça suffit. Ma petite Daniela, fais-moi confiance, il faut vraiment que tu oublies Santiago. Ce garçon est encore plus dangereux pour toi, tu sais, que Carmelo. Comment ça, il est plus dangereux que Carmelo? Tu dis n'importe quoi. Ma fille, mais écoute-moi. Tiens ça. Carmelo, tu peux le maintenir à distance parce que tu ne l'aimes pas. C'est sûr, même pas en peinture. C'est ce que je dis. Santiago, par contre, tu l'aimes. Oui, vraiment beaucoup. Et c'est pour ça, parce que tu l'aimes vraiment beaucoup. C'est pour ça qu'il est très dangereux pour toi, ma fille. Oui, je suis bien sûr que c'est la fille dont je vous parle. Si c'est pas elle, c'est sa jumelle. Mais attendez un peu, expliquez-moi tout ça tranquillement. De quoi est-ce qu'on parle? Est-ce que cette femme, c'est en fait celle que Diego a trucidée? Je veux que tu me dises où je peux trouver cette fille, ton petit diable, là. Comme ça, gratos? Non. Moi, j'ai cru comprendre que Diego t'avait aidé. Qu'il t'avait défendu dans une bagarre. Et ça lui a fait perdre ses droits à la liberté conditionnelle. Qu'est-ce que vous voulez m'insinuer par là, alors, hein? Que je lui dois bien ça en retour, ou quoi? Peut-être que trouver cette fille, c'est très important pour Diego. Très bien, je marche alors, d'accord. Mais bon, comme on dit dans mon quartier, les chiens dansent que quand on paye. Alors il va falloir que tu craches. Que je te paye? Bah oui. Et combien veux-tu? Amenez la monnaie, faites voir un peu. Et moi, je vous raconterai ce que vous voulez. Tiens.
Attendez, non, me crachez un peu plus, ça va tout juste me payer mes cigares, écoute, ça va pas. Je t'en donnerai plus quand tu m'auras retrouvé cette Daniela. Et j'aurai aussi un autre travail pour toi. Ah oui? C'est quoi? Je vais te demander de protéger Diego. Pas de problème. Je vais protéger votre Diego. Ah. Ne vous inquiétez pas. Et d'après toi, pourquoi elle est dangereuse pour moi? Tu dois protéger ton statut. Et tu as une réputation à maintenir, enfin. Est-ce que tu t'imagines cette Daniela à un dîner d'affaires? Ou à un concert, ou au club de golf, ou de tennis? Elle va te couvrir de ridicule devant tout le monde. Elle est intelligente, papa. Elle peut apprendre très vite et s'adapter à notre milieu social. Santiago, s'il te plaît, enfin, remets un peu les pieds sur terre. Ta mère ne peut pas la supporter. Tu t'en es rendu compte, non? Papa, tu n'as pas bien compris. Je ne veux pas ta permission. Je suis juste venu t'informer que je suis amoureux de Daniela. C'est la femme que j'aime. Mais arrête un peu, hein. Je ne t'ai même pas demandé ton opinion. Mais dis donc, Daniela, tu parles pas sur ce ton à ma mère, hein, s'il te plaît. Mais bon, je crois quand même que c'est vrai, maman. Il m'aime, je suis témoin, je l'ai vu dans ses yeux. Non, mais moi, je ne dis pas qu'il ne t'aime pas. Mais un homme comme Santiago, il peut t'amener à une vie impossible. Pour te dire la vérité, je ne pense vraiment pas qu'il décide de se marier avec toi. Vous n'appartenez pas au même monde, tous les deux. Et je te donne mon opinion, parce que je t'aime. Mais alors, qu'est-ce que tu veux dire, hein? Parce que je suis pauvre, je n'ai pas le droit de me marier avec l'homme que j'aime? Simplement parce qu'il est mis dans un berceau d'or et moi dans une caisse en carton. Mais c'est vraiment pas juste. Non, ma chérie, non, ma petite. Moi, je sais bien que ce n'est pas juste. Et si je trouve un boulot et je travaille très dur pour gagner plein d'argent et je me mets à étudier aussi, hein? Crois-moi, écoute, moi je pensais la même chose que toi. Apparemment, pour nous, il y a deux options dans la vie. Danseuse de cabaret ou... bonne à tout faire dans une maison. Regarde, tu veux finir comme ça? Non, je ne veux pas travailler dans un cabaret. Mais non, ma fille. Tu veux que je te trouve une place comme bonne? Mais il doit quand même y avoir autre chose, non? Il doit bien y avoir autre chose. Mais écoute-moi bien, Letty. La seule façon pour que cette pauvre fille puisse entrer dans la maison, c'est en y rentrant comme bonne. Non, 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 tu ne vas pas me croire, tu ne vas pas croire ce que je suis en train de voir. Quelle horreur! Mais c'est parce que tu m'as laissée toute seule. Ah, mais ne te mets pas dans ces états, Teresa. Je viens de découvrir quelque chose qui franchement me laisse sans voix, mais qui va m'être très utile. Et en même temps, ça me déçoit un peu. J'ai découvert que les frères Rodriguez sont taillés de la même pierre. De médiocres. Qui aiment la médiocrité. Maintenant, ça marche enfin, ce truc-là. On va enfin pouvoir changer l'autre. Père Vincent. Bonjour, Daniela. Comment vas-tu? Comment va le moral? Oh non, je suis dans la... Qu'est-ce que je t'ai dit, hein? Réfléchis bien avant de parler. Non, dans la mouise, mon père, dans la mouise. Figurez-vous, Cotillia et Carmelo avaient planifié mon mariage pour dimanche, et moi, je ne savais même pas. Ah, mais alors, Otila a osé? Mais je lui avais parlé, je ne sais pas combien de fois, mais... Comment est-ce possible? Ce qu'il y a, c'est que Carmelo lui a donné une bague pour que je la porte. Et moi, je lui ai jeté à la figure et je lui ai dit que c'était un vieux cochon. Qu'il aille en enfer, c'est tout. Et ça ne se dit pas non plus. Non. Après ça, Otilia est devenue comme folle, mon père. Elle insiste pour que je me marie. Mais tu ne vois pas que cette femme n'est qu'une... Oh, mon père. Ah. Eh bien, moi, je lui ai dit que plus jamais de toute ma vie, j'allais la laisser me commander comme ça. Et encore moins maintenant que Santiago m'a dit qu'il m'aimait. Il t'a dit qu'il t'aimait? Maintenant, je vais juste devoir trouver un boulot pour que ma petite marraine chérie ne manque de rien. Mais lâche ça, ne touche pas mes affaires. Mon père! Je t'ai dit je ne sais pas combien de fois de ne pas toucher à mes affaires comme ça. Mais tu es vraiment têtu. Écoute, je t'ai dit de nombreuses fois que je t'aiderai chaque fois que je le pourrai. Alors, quel genre de travail tu cherches? Eh bien, je ne sais pas, moi, n'importe quoi. Vous savez que Santiago m'apprend à lire et à écrire. Ah, oui, tu m'as dit ça. Avec moi, tu n'as jamais voulu apprendre. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi, ce jeune homme? Eh bien, il m'a dit que j'apprenais très vite, mon père.
Mais malgré ça, et avec ton peu d'éducation, je ne sais pas ce que tu vas pouvoir faire. Mais par contre, ce que tu veux faire, c'est arrêter de toucher ça. Pensez-y, mon père, réfléchissez. Et qu'est-ce que tu y connais en électricité? Non, mais continue à réfléchir un peu, hein. Ah, ma petite fille, mais arrête ça! Mais c'est que c'est vraiment beau. Merci, mademoiselle. Non, merci à vous et passez une bonne journée, madame. À bientôt. Au revoir. Quelle bonne journée, maman, ça se passe vraiment bien. On a vendu tous les fruits et tous les légumes. Ah oui, tant mieux. Mais bon, tu sais, moi j'aimerais bien qu'on engage quelqu'un pour avoir de l'aide supplémentaire. Non, maman, moi ce que j'aimerais, c'est que tu restes à la maison tranquille, parce que tu passes toute ta journée à travailler. Tu ne peux pas rester tout seul. Et puis tes études alors? Ah non, mais en ce moment, je n'ai pas le temps, maman. Comment ça, en ce moment, tu n'as pas le temps? La carrière, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, mon fils. Le plus important, c'est de remercier Dieu de m'avoir envoyé des parents comme vous deux. Sinon, je serais resté dans cette orphelinat toute ma vie. Ah, oh, Augustin, si ton père était en vie, il serait vraiment fier de toi, tu sais. Et il me dirait aussi de bien prendre soin de toi, maman. Et je vais prendre soin de toi. Et du magasin. Ah, Augustin, maman... Ah, maman, que... mais ne dis plus rien. Les choses sont comme elles sont. Je veux que tu restes tranquille. Je te demande juste de m'aimer beaucoup et le reste, moi, je m'en occupe. C'est à cause de Daniela, c'est ça? Augustin! Augustin! Tu as vu cette belle voiture, maman? C'est la deuxième fois qu'elle passe devant et je me demande bien ce qu'il cherche. Ne change pas de conversation. C'est à cause de Daniela que tu abandonnes ta carrière? Bah, mais qu'est-ce que tu racontes, maman? Pas du tout! Dis donc, avec l'âge, on se rend compte des choses. Et en plus, je ne suis pas si vieille que ça. Et je me souviens très bien ce que c'est quand on est amoureux. Et je sais que pour l'autre personne, on est capable de faire n'importe quel sacrifice. Il ne fait pas semblant avec moi. Ah. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Regarde un peu comment la poussière s'accumule ici avec toute cette pollution. Est-ce qu'il reste encore des films en rouleau, Augustin? Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Information. J'espère que vous pourrez m'aider. Connaissez-vous une jeune fille qu'on appelle dans le quartier le Petit Diable? Et qui la demande? Vous la connaissez? Et elle... Non, si vous ne dites pas pourquoi, on ne vous dira rien. Qu'est-ce que vous lui voulez? Mais rien de mal, ça, je vous assure. Quelqu'un de très important voudrait la contacter. C'est urgent pour elle. Eh bon, venez par ici, monsieur. Écoutez, nous ne sommes pas autorisés à donner des informations en ce qui concerne cette personne. Et en plus, nous, on ne vous connaît pas du tout. On ne sait même pas quelles intentions vous avez. S'il vous plaît, c'est une question de vie ou de mort. Rosa, s'il te plaît, mais quand vas-tu apprendre à bien mettre le couvert? La fourchette va à gauche de l'assiette et le couteau à droite, enfin, s'il te plaît. Et les verres? Les verres sont à l'envers aussi, s'il te plaît. Oui, voilà. Est-ce que ça va entrer dans ta tête de linotte? Maman, tu aurais dû venir, l'eau était super, super bonne. Oh, ça, je m'en fiche, j'ai une migraine pas possible aujourd'hui. Est-ce que Sandra était avec vous? Non, Sandra est sortie. Mais regardez-moi comment vous êtes habillée, s'il vous plaît, on dirait des bohémiens. Allez-vous changer, pour l'amour de Dieu? On va essayer pour une fois de déjeuner ensemble, hein? Mais allez-y rapidement. Oui, on y va. S'il te plaît, Rosa, les serviettes, plie-les comme il se doit. Je t'ai déjà pris des milliers de fois. Est-ce qu'on va... J'aimerais te parler. J'ai quelque chose d'important à te dire. Oui, d'accord. Allons dans mon bureau. Non, maman, ici même. Et je crois que tu sais ce que c'est. C'est à propos de Daniela. Dans mon bureau, s'il te plaît. Je veux me marier avec elle. Toi, ce que tu veux, c'est me contrarier, c'est ça? Je t'ai dit, dans mon bureau. On y va. Ah, la voilà! Comment est-ce que tu as pu dire une chose aussi stupide devant les gens de service? Mais c'est pas stupide, maman. Je suis amoureux d'elle et j'ai décidé de me marier. Je préfère mourir que de te donner ma permission pour que tu te maries avec cette moins que rien. Attends, je crois que tu n'as pas bien compris. Je ne veux pas ta permission, je viens juste t'informer. J'ai déjà prévenu papa et je vais le dire à mes frères et sœurs. J'aide Daniela et je veux me marier avec elle. Mais mon amour, on a déjà des bonnes ici. Une cuisinière,
On a aussi une femme de charge et elles ont toutes plus d'éducation que cette pauvre fille qui veut absolument se marier avec toi. Évidemment, je ne veux pas qu'on vive ici. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Excuse-moi, je n'avais pas bien compris. Ce que toi, tu veux, c'est une fille qui te serve pour tout, dans ton studio de célibataire, c'est bien ça? Une fille que tu puisses mettre aussi dans ton lit quand tu en as envie, hein? Ne l'insulte pas. Daniela est pauvre, mais honnête. C'est une arriviste, c'est tout ce que c'est. Elle est en train de te séduire et t'a rendu complètement fou. Comment est-ce possible qu'un de mes fils puisse être aussi stupide pour tomber raide amoureux d'une poubelle pareille? Ça suffit, maman, je ne te permets pas. Et moi, je ne te permets pas d'élever ta voix comme ça. Je suis ta mère, tu m'entends? Et je vais te dire quelque chose. Je préfère que tu sois mort plutôt que de devoir marier avec cette pauvre fille. Salut, Augustin. Tu peux me donner un bouquet de coriandre? Oui, vas-y, prends-le. Et qu'est-ce qui t'arrive, hein, avec ta tête de trois pieds long? Non, ça va, tout va bien. Ah bon, d'accord. À plus tard. Non, attends, viens par là. Viens par là. Quoi? Est-ce que tu as vu Daniela? Elle est chez elle? J'en sais rien. Pourquoi? Non, parce qu'un monsieur est venu, il l'a cherché. Un monsieur, mais qui ça? Eh bien, un monsieur bien élégant, avec une grosse voiture et tout ça, il avait même un chauffeur. Ah non, mais ça doit être le père de Santiago. Je vais lui dire tout de suite, je reviens tout de suite, hein? Arrête, maman. Ne te mets pas dans ces états, s'il te plaît. Maman, Santiago n'est plus un petit garçon, tu ne peux pas le contrôler. Il est sans doute pas jeune, c'est vrai, mais je ne peux pas... Je suis un homme, maman. Je travaille, j'aide papa dans l'entreprise et je prends mes propres décisions dans la vie, dans l'entreprise. Mais tu te trompes, Santiago. Parce que je suis toujours ta mère. Nous sommes toujours tes parents. Et tu vas devoir respecter nos règles, tu comprends ça? Que ce soit bien clair pour toi, Santiago. Ton père et moi, jamais, jamais de la vie, sous aucun prétexte, nous allons accepter cette union. Tu m'entends bien? S'il te plaît, tu dois comprendre. Ça nous rabaisse. Nous aurions l'air complètement ridicules aux yeux du monde entier, pour l'amour de Dieu. Très bien, maman. Je comprends que c'est difficile à accepter. Oui. La vie des autres t'importe beaucoup. Alors il vaut mieux laisser tomber ça. On parlera un autre jour, quand tu seras un peu plus calme. Mais il n'y aura pas d'autre jour, tu ne comprends pas. Je ne veux plus en entendre parler, c'est de la folie. C'est une véritable folie, mais tu ne comprends pas. Je préfère y mettre un point final et oublier tout ça. Et c'est justement ce que toi, tu dois faire. Je ne vais pas l'oublier, maman. Eh bien, moi, je ne vais pas changer de position dans cette affaire. Eh bien, moi non plus. Tu n'es qu'un insolent. Je l'aime. Bon, ça suffit, Santiago. Tais-toi. Tu fais du mal à maman. Elle m'en fait aussi. Jamais. Jamais je ne permettrai que cette femme entre dans notre famille. Tu m'entends bien? Jamais. Jamais. Est-ce que c'est vrai ce que tu as dit tout à l'heure? Oui, c'est vrai, Karina. Je veux me marier avec elle. T'en penses quoi? Je ne sais pas. La vérité, après ce que j'ai vu, je pourrais presque te dire que je pense comme maman. Mais toi, tu la connais bien mieux que nous tous. Oui, elle est vraiment un ange. Tu l'aimes beaucoup? Oui, beaucoup. Eh bien alors, si tu l'aimes autant que ça, marie-toi avec elle. Merci. Daniela, attends-moi. Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive? Arrête, qu'est-ce qu'il y a? Devine qui est en train de te chercher. Mais je ne suis pas dans ma allure. Ah. Non, mais alors, je suis sérieuse. Bon, qui ça? Eh bien, le papa, le père de Santiago. Quoi? Il a posé des questions sur toi au magasin d'Augustin. Oh mon Dieu. Si ça se trouve, il veut me rendre la gifle que je lui ai donnée. Salut, Anthony. Sandra, où étais-tu? J'ai fait une sieste, mais bon, avant, j'ai vu quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Et j'ai besoin d'un service, sinon je le raconte à tout le monde. Mais qu'est-ce que tu veux? Je veux savoir où vit l'autre petite saloperie. Et si tu ne me le dis pas, eh bien, je vais devoir dire à ta mère que son fils Anthony a eu une aventure très torride avec la petite bonne de la maison. Oh... Elle n'a pas de chance avec ses fils, pas vrai?
Mais tu n'as vraiment aucune idée, maman. Ici, c'est vraiment dur. Ici, pour prendre un verre, il faut payer. Pour aller aux toilettes, il faut payer. C'est pour ça que je te demande de m'apporter un peu plus d'argent. La Daniela, c'est une petite ingrate. Le Carmelo, il voulait se marier avec elle. Et elle, elle veut pas. Le Carmelo, il est plein de fric. Et s'il devient mon gendre, je vais pouvoir te payer un bon avocat, mon fils. Ah oui, maman, oui. Non, mais tu sais comment elle est, cette gamine. Je sais. Qu'est-ce qui se passe, maman? La tête me tourne. Tu te sens bien, maman? Et donc, quoi? Tu devrais tout raconter à Santiago, non? Comment est-ce que tu veux que je lui dise que j'ai donné une gifle à son père parce qu'il voulait me taper? Bon, t'es pas obligé de lui raconter les détails, quand même. Non. Daniela? Daniela? Qu'est-ce qui se passe, maman? Tu vas bien? Oui. C'est juste un petit malaise. On dirait que tu viens de voir un fantôme, maman. Mais ce type-là. Eh bien, alors, qu'est-ce qu'il a? C'est Diego Montenegro. Tu le connais? Non, mais je me souviens de ce qui était paru dans les journaux. Il disait qu'il avait tué sa femme. Il l'a tué de façon horrible. Il lui a écrasé le crâne. C'est pour ça qu'il est ici à croupir en prison. Et si tu ne le connais pas, comment ça se fait que t'en sais autant alors? Mais je te le dis, j'ai lu tout ça dans les journaux. Dans les journaux, hein? Et pourquoi tu es devenue si nerveuse? Non, je suis pas nerveuse. Je suis surprise de voir ici, c'est tout. Ah, arrête un peu, j'ai l'air comme ça, mais je suis pas si bête. Tu sais quelque chose sur ce type et tu fais bien de me le dire. Mais tu t'imagines des choses. Mais arrête un peu, tu sais très bien qui c'est, tu dois me le dire. Écoute, tu sais quoi? Il vaut mieux que j'y aille, parce que quand tu commences comme ça, c'est pas la peine de te parler. Mais avant que tu partes, tu dois me dire ce que tu sais. Mais lâche-moi! Il faut pas qu'il me voie, il faut pas qu'il me voie. Il va m'accuser d'avoir kidnappé la gamine. Oh mon Dieu, je vous en supplie. Faites qu'il ne me voie pas, qu'il ne me voie pas. Maintenant, ça suffit. Je serais vraiment stupide si j'acceptais que Tilia me frappe encore. Ah oui, Daniela, tu dois pas la laisser faire. C'est vrai, elle abuse. Elle est toujours après moi. Mm-hmm. Depuis que je suis toute petite, elle est sur mon dos. J'en ai vraiment marre, j'en peux plus. Et qu'est-ce que tu vas faire, Daniela? Ben, je vais partir, j'ai pas le choix. Ah, mais tu peux venir chez moi? Enfin bon, dans ma chambre. Apollina, je dois vous donner à peine déjà toi et Yamina. Ah, mais on peut te faire de la place. Bon, alors dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a un moment, je suis allée voir le père Vincent. Mais vas-y, le père Vincent, il t'aime vraiment bien. Ouais, c'est vrai. Et je suis sûre qu'il va t'aider. Et si tu le disais à Santiago? Non, ça va pas, mais arrête, il n'en est pas question. Mais c'est pas ton copain, Santiago? Si, c'est vrai, mais c'est pas son problème. Écoute-moi, de toute façon, tu ne perds rien en lui racontant ce qui t'arrive. Ah, mais je te dis non. Je ne veux pas lui causer de problème. Et tu sais quoi, arrête d'insister maintenant. Ah bon, très bien. C'est ton problème, moi je voulais juste t'aider, hein. Dis-moi. Et Michaela, tu vas aussi l'emmener avec toi? Bien sûr. Dès que je trouve un travail, je reviens la chercher. Ah, alors attends plutôt d'avoir l'argent et vous partez toutes les deux ensemble. Non, je ne veux pas. Les choses vont vraiment mal à la maison. Et si Otilia me met un cachet dans mon café et qu'elle m'emmène de force pour me marier avec Carmelo? Ah, mais arrête, ne dis pas ça. Je viens d'y penser, ça me donne vraiment la chair de poule. Non, mais imagine. Oh, quand il me regarde, je me sens toute sale. C'est un peu... Mais au moins, il t'a remarqué, hein. Ah, c'est un dégoûtant, un cochon, un pervers. Oh, je le déteste. Tu sais quoi, on y va. Allez, celle qui arrive en dernier, c'est ta Carmelo. Non, mais arrête, non, t'as allez. Touché. Attends-moi. Non, c'est pas juste. Attends-moi, Daniela. Tu ne devineras jamais qui j'ai vu tout à l'heure à la prison. Ton patron, le fameux Diego. Il en a fallu de peu, j'ai failli me retrouver juste en face. Moi, je m'imaginais qu'il était déjà mort, mais non, il est bien vivant, en pleine forme. J'en ai eu les mains moites, j'en ai des sueurs froides. Et moi, à ce moment-là, je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'ai besoin de devoir me cacher de lui pour qu'on ne m'accuse pas de l'enlèvement de Daniela? Pourquoi je vais me compliquer la vie à vous garder, toi et la fille de l'assassin? Non, monsieur Diego est innocent. Il faut vraiment que je profite de Daniela avant que ce soit trop tard. On va voir ce que disent les cartes. Mais je te le disais, c'est très clair, regarde. Daniela apparaît vraiment avec une mine d'or. Oh mon Dieu. Ici, ça dit qu'il y a un homme âgé.
Que son chemin est rempli de conflits, Michaela, de larmes et de problèmes. Et la prison. Les cartes disent que les problèmes vont arriver, Michaela. Des problèmes vraiment graves. Mais ça, c'est exactement ce que je voudrais éviter. Avoir des problèmes avec ce type. Angelo peut vraiment devenir une menace. Ne t'inquiète pas, il est vieux et décrépit. Un vieux décrépit qui est en train de remuer ciel et terre pour que son neveu soit relâché. Oui. Alors réfléchissons, hein, s'il te plaît. Quelle est la pire chose qu'il puisse faire? Bon, eh bien, pour commencer, il est très ami avec plusieurs magistrats. Et je suis sûr qu'il va insister pour essayer d'obtenir pour Diego la liberté conditionnelle. Ça, c'est évident, mais toi, tu m'avais dit que si on lui refusait cette possibilité, il ne pouvait plus la redemander. Oui, oui, mais je ne pensais pas à ce moment-là, eh bien, qu'Angelo allait utiliser ses connaissances et qu'il parlerait à ses amis, n'est-ce pas? Pour obtenir la liberté conditionnelle pour lui. Est-ce que tu crois qu'il a ses chances, réellement? Eh bien, sincèrement, j'en suis sûr. Mais alors... Mais alors, si c'est Angelo le problème, je vais avoir besoin que tu t'occupes de lui. Est-ce que tu me demandes de... Oui, c'est exact. Tu te rends compte que nous sommes en train de nous engager sur un terrain très glissant? Oui, bien sûr que oui. Mais tu te rends compte qu'en te demandant ce service, personne ne va te payer aussi généreusement que moi. Ok. C'est comme ça que tu me remercies pour tous mes sacrifices. T'es qu'une ingrate. Ah, mais arrête un peu. On dirait vraiment un disque rayé, hein? Et vas-y que je te répète la même chanson. Non, ne pars pas, Daniela, s'il te plaît, ne nous abandonne pas. Ma Michaela, tu veux beaucoup lui manquer. Mais ne t'inquiète pas. Je reviendrai vite pour te chercher ma petite reine. Et moi, alors? Alors, toi quoi? Tu ne me répètes pas que je suis une ingrate et que tu en as marre de me maintenir? Eh bien, je m'en vais, comme ça, tu n'auras plus à t'inquiéter. Daniela, mais tu sais très bien, je t'aime beaucoup. Ah oui, mais bien sûr. Tu m'aimes quand ça t'arrange. Maintenant que je pars, tu dis que tu m'aimes beaucoup. Mais bon... C'est comme dit le proverbe, et c'est bien vrai. Qui aime bien, châtie bien. Ah non, mais tu dois vraiment m'aimer beaucoup, parce que depuis que je suis toute petite, je n'ai fait que souffrir. Et maintenant, tu essaies de me marier avec Carmelo. Daniela, arrête de dire des choses pareilles. Quoi, moi te vendre? S'il te plaît, ne fais pas la pauvre innocente. Non, mais c'est vrai, non, ma fille. Moi, ce que je veux, c'est que tu te maries comme il se doit. Qu'il t'arrive pas la même chose qu'à Yamina. Parce qu'elle n'a pas eu le choix, elle a dû travailler dans un cabaret. Je préfère travailler dans un cabaret et sauver mon honneur. Parce qu'écoute-moi bien, souviens-toi de ça. Je suis peut-être têtue, je suis peut-être revêche, comme tu dis. Mais jamais, jamais, jamais de toute ma vie, je ne me vendrai pour quelques billets, tu m'entends? Oui, vas-y ma petite fille. Va-t'en. Va-t'en d'ici. Je te promets que dès que je peux, je reviens te chercher, petite marraine. Je sais que toi, tu me comprends. Je te jure que je reviendrai te chercher, je te le jure. Je vais revenir et la première chose que je vais t'acheter, c'est un nouveau fauteuil roulant pour que tu puisses sortir et prendre un peu de soleil, pour que tu puisses aller au parc, hein? Et pour partir ensemble, toi et moi, loin, très loin d'ici. Non, ne regarde pas derrière toi. Sauve-toi. Donne-moi ta bénédiction. Que Dieu te garde, ma petite fille. Ne pars pas, Daniela. Je sais que c'est ma faute. Tu as raison, je t'ai maltraitée. Mais je te promets, pour de vrai, je te taperai plus. Et en plus, Michael a besoin de toi. Qui va lui donner à manger? Moi, je peux pas avec mon boulot. Je travaille beaucoup. Tu vas quand même pas me laisser toute seule. Non, ne l'écoute pas. Va-t'en. Elle a vraiment besoin de toi. Si tu pars, la tristesse va la rendre malade et elle va peut-être jamais s'en remettre. Ne sois pas cruelle, Daniela. Ta marraine est très malade. Tu peux pas l'abandonner. Tu peux pas. C'est vrai. Pour ça, tu as raison. Je ne peux pas abandonner ma marraine. Mais alors, tu restes? D'accord. Mais je le fais seulement pour Michaela. Et que ce soit bien clair entre nous, Daniela.
Tu me fais une seule de tes vacheries, et cette fois je pars pour de bon. Tu vois, c'est pas si dur d'être un peu gentil, Daniela. Regardez comme vous êtes belle. Et en plus, comme ça, ensemble, toutes les trois, on est presque une famille. Eh bien, nous ne sommes pas une famille très unie, que je sache. Ah. Et tiens, parfois, je me demande même si nous sommes vraiment une famille. Tu n'es pas d'accord? Mais c'est vrai, maman, quand est-ce que nous faisons des choses ensemble? Jamais. Bon, oui, mais ça, enfin, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas une famille, tu comprends bien, Karina? Ah oui, je sais, mais c'est que ça saute vraiment aux yeux. Tu vois, entre Santiago et cette fille venue de nulle part. Tony sur sa planète avec ses trucs bien à lui. Et toi et papa qui faites semblant d'être bien ensemble. Karina, tu me fatigues. Tu me mets de très mauvaise humeur. Je t'en supplie, ma petite. Je n'ai pas envie de me fâcher, tu comprends ça? Donne-moi ça. Moi, je pensais que c'était ta spécialité, comme tu passes ton temps à te fâcher avec papa. Je vous ai entendu vous disputer l'autre soir. Mais toi, tu étais super fâchée et tu as dit quelque chose sur un fantôme. Mais tu nous aimes bien, Karina? Non, maman. Mais c'était que vous étiez en train de crier. Écoute-moi bien, ma petite. Ce qui se passe entre ton père et moi, ça nous regarde tous les deux, c'est tout. Le et personne d'autre. C'est que ça nous affecte nous tous. Oui, tous. Tu comprends, maman? Je ne sais pas ce qui se passe dans cette maison. Vraiment, papa a une mauvaise humeur tout le temps. Toi, tu es super stressée. Et en plus de ça, je dois supporter Sandra. Et quel est ton problème avec Sandra? Aucun. Hein? Mais pour être sincère, ça me dérange qu'elle soit toujours en train d'essayer de séduire Santiago coûte que coûte. Mais elle est amoureuse de lui, tu peux le comprendre. Mais lui, il ne l'aime pas. Ouh. Ça suffit, Karina, arrête. Ne cherche pas les problèmes où il n'y en a pas. Ok. Ah, oh, mais la maison est pleine de mauvaises ondes. Par contre, ici dehors, l'air est frais, ça égaye un peu les cœurs, non? Tu ne trouves pas, ma petite marraine? Tu n'aurais pas dû rester, Daniela. Ne me regarde pas comme ça, marraine. C'est vrai, excuse-moi. J'allais presque partir sans toi. Arrête-toi. Je t'ai pratiquement laissé entre les mains de cette sorcière. Pardonne-moi. Dès que j'ai un travail et que je gagne de l'argent, on partira toutes les deux. Je te le promets. Allons-y. On dirait Monsieur Angelo. Mais dis-moi, tous ces bouquins sont vraiment à toi, Santiago? Hey, laisse ça tranquille. Mais bon, je comprends pourquoi tu es si ennuyeux. Tu passes tout ton temps à lire. Ah non, ne te mets pas dans cet état. Raconte-moi plutôt pourquoi cette fille te plaît autant. C'est pas que ça. Je l'aime. Ah mais bon, mais tu es vraiment en train de te rendre ridicule. Tu ne te rends pas compte que tu es le responsable des relations publiques d'une entreprise? Et ta copine travaille dans un cabaret de mauvaise vie. Écoute, toi tu conclus des marchés, des contrats dans les restaurants les plus luxueux du Mexique, n'est-ce pas? Et elle, pendant ce temps, elle mange sans doute des tacos dans les boubouis du coin, Santiago. Toi tu travailles avec des gens très importants dans des réunions. Et elle, tout simplement... Et elle quoi? Et calme-toi, Santiago. Et elle quoi? Mais c'est juste une fille de la rue. Ce que tu veux dire, c'est qu'une fille de la rue, comme elle, qui est gentille, très douce et jolie, n'est pas faite pour moi? Non, Santiago, ne commence pas. Ce que je veux dire, c'est que tu ne devrais pas lire autant. Mais si, ça m'inquiète beaucoup que pour une fille, tu puisses te gâcher tout ton avenir. Moi, je ne peux pas voir mon avenir sans Daniela. Eh bien, si tu le dis... Mais alors, présente-la moi. Je veux la connaître. Mais sans problème, Santiago, je veux juste rencontrer la femme que tu aimes et je veux savoir pourquoi tu l'aimes autant. Je suis venu voir mon neveu. Vous ne pouvez pas entrer, monsieur. L'heure des visites est terminée. Oui, oui, mais c'est très important. Il faut que je parle à Diego Montenegro. Revenez demain. Non, il faut que ce soit aujourd'hui, aujourd'hui même. Et regardez, les règles sont les règles. Oui, je comprends bien. Mais on ne peut pas faire une exception, non? Non. Écoutez, je peux lui passer un message. Écoutez, vraiment, je ne vous le demanderai pas si ce n'était pas important. D'accord. Merci. Diego. Yeah.
pouvez lui donner aujourd'hui même. Je lui ferai passer avec un collègue. Merci. Je vous remercie beaucoup. Il n'y a pas de quoi. D'accord. Mais quoi d'accord? Je vais te présenter Daniela. Très bien, frérot. Allons-y. C'est seulement pour te prouver que c'est un ange. Excuse-moi, Santiago, mais c'est trop. Allez, frérot! D pour Daniela et S pour Santiago. Nos initiales sont vraiment jolies comme ça ensemble. Je t'aime si fort, Santiago. Si fort. Voilà, Daniela. Allons-y. Mais c'est qui avec mon senti? Je te présente mon frère, Tony. Diego va être vraiment content quand il va apprendre que j'ai retrouvé sa petite fille, la pauvre petite. Ça se voit qu'elle a eu une vie très dure. Tu es prêt? Prépare-toi, on arrive bientôt. Tu vois, Tony? Je t'avais dit que c'était un ange. Oui. Et dis-moi, pourquoi est-ce que tu voulais me rencontrer? Parce que mon frère parle de toi toute la journée. C'est vrai. Et j'étais curieux. Tu parles de moi? Oui. Beaucoup. Mais ça, il faut le célébrer. Alors, Daniela, allons au restaurant déjeuner. Non, 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 non. Non, une bière, ça ira pour moi. Ah oui, oui, d'accord, je vais en chercher. Je t'accompagne. Non, 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 non. Non, non. Laisse Santiago aller chercher seul. Prends soin d'elle, hein. Hmm? Et comme ça, toi et moi, on a le temps de se connaître un petit peu mieux. Dis-moi ce qui t'amène vraiment ici, hein? Parce que moi, je ne crois vraiment pas à ton histoire, que tout d'un coup tu es curieux et maintenant que tu veux me rencontrer. Non, Daniela, s'il te plaît, ne commence pas à penser à mal. S'il te plaît, ne me prends pas pour une idiote, Tony. Daniela, je suis sérieux. J'ai compris pourquoi Santiago est aussi amoureux de toi. Ben oui. Ouais. Quoi? J'ai quelque chose de bizarre sur le visage ou quoi? Non, je pensais juste à quelque chose. À quoi? Je trouve que tu as l'air d'être une fille très bien. Et je ne sais pas si Santiago a réellement été honnête avec toi. Et alors, qu'est-ce que tu veux dire, hein? Je n'aimerais pas le voir te tromper, tu sais, Daniela. Me tromper? Oui. Est-ce que Santiago t'a déjà dit qu'il avait une fiancée et qu'il allait se marier avec elle?